En 2018, je me suis lancé sur Internet. 2 ans plus tard, je suis devenu indépendant financièrement. J'ai dû même démissionner de mon boulot qui me payait à l'époque un salaire de 1 million de francs CFA en Afrique pour me concentrer à 100% sur Internet. Et avec tous ces reculs, avec toute cette expérience, dans cette vidéo, je vais vous dire les 4 étapes qui m'ont permis d'atteindre ces résultats. Le but de cette vidéo, c'est de vous montrer non seulement comment je me suis pris, mais c'est de vous amener vous également qui voulez faire la même chose. Vous également qui aujourd'hui êtes coincé dans un boulot qui ne vous intéresse pas. Vous êtes coincé dans une activité dont vous ne voulez pas, mais vous en faites juste pour en vivre. Je vais vous donner ici cette méthode pour que ça puisse vous servir de canevas, ça puisse vous servir d'un chemin bien tracé pour que vous puissiez également, vous, avec très peu d'hésitation et très peu d'encombrement, avoir un chemin clair. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Je vais vous démontrer ça dans cette vidéo. Une petite parenthèse, la tournée internationale de Vivre et Réussir en Afrique également continue parce que le 9 septembre, nous sommes au Sénégal, à l'hôtel Pullman de Dakar, devant la place de l'Indépendance. On parlera de gagner de l'argent sur Internet. Pour ceux qui savent, je travaillais comme architecte dans un cabinet et j'ai démissionné d'un salaire qui me payait, un boulot qui me donnait un salaire de 1 million de francs CFA. J'ai démissionné grâce au business que j'ai monté essentiellement en ligne. 80% de mes clients se trouvent sur Internet et je vais vous expliquer concrètement comment j'arrive à gagner de l'argent sur Internet. Après le Sénégal, on va être au Mali. Ça va être le 7 octobre du côté de la salle internationale de conférence de Bamako, la CICBC. Ça va être à Bamako le 7 octobre. Le 22 octobre, nous, on va continuer avec mon équipe. On va se rendre cette fois-ci au Burkina Faso, à Ouagadougou, dans la salle de banquet de Ouagadougou. On parlera également du business. Cette tournée va continuer jusqu'à Lomé, au Togo. Le 4 novembre, on parlera là-bas encore de business. Après le Togo, on va être du côté de Conakry, en Guinée. Là-bas également, on va parler de business. Ça va être le 11 novembre. Les autres dates également arrivent parce que avant vous n'avez pas vu, par exemple, Togo, la Guinée, ainsi de suite, parce que nous sommes en train de ficeler également les autres pays. Donc, vous allez voir que la Côte d'Ivoire va venir, la Mauritanie également va suivre en fonction des dates, en fonction des salles, de comment on va coordonner, on va vous revenir également. Surtout que cette année, nous irons jusqu'à Kinshasa même. Donc, tout ça, alors, quand on a parlé d'arriver à Kinshasa, même ceux qui sont à Lubumbashi, ils veulent que qu'on soit à Kinshasa, on prolonge juste à Lubumbashi. Mais là également, tout ça, on est en train de planifier, on est en train de coordonner avec nos équipes qui sont sur place pour pouvoir également venir dans ces pays-là. Les amis, trop de bavardage, on va revenir au sujet principal parce que l'objectif ici pour moi, c'est de vous donner un retour d'expérience de comment vous également, vous pouvez vous prendre pour faire les mêmes choses. Alors, généralement, quand les gens ils viennent sur Internet, ils vous disent que 5 business à lancer avec 1000 francs, avec 2000 francs. On vous dit voilà comment gagner de l'argent rapidement et facilement sur Internet. Vraiment, il y a tellement gagné 200$ rapidement. Il y a tellement de fausses promesses, mais je pense que vous n'êtes pas naïfs. Hein. Je pense que vous êtes suffisamment intelligent aujourd'hui pour comprendre que ces genres d'histoires-là, vraiment, c'est juste pour avoir des vues. C'est juste pour avoir de nombre de vues pour gagner de l'argent avec. Donc, regardez que vraiment, je pense que vous avez compris ça. Mais en réalité, il y a quand même des étapes. Il n'y a pas quelque chose qui se fait sans étapes. Rare. Il y a que, comme on le dit souvent, mon grand-père disait souvent qu'il n'y a que les interrupteurs, que c'est on-off quoi. Donc on met on, ça allume, off, ça s'éteint. Mais non, vous savez que la réussite n'est jamais comme ça. Il n'y a pas une question de on-off. Il y a un process, il y a des étapes. Donc si on vous dit que gagner 500 francs avec vraiment automatiquement ou bien gagner, donc vous-même, vous savez que ça, ça n'existe pas. Voilà pourquoi avec beaucoup de recul, je fais cette vidéo pour vous donner concrètement ce qui marche, le cheminement qui marche. Ceux qui veulent réussir sur Internet, vous devez suivre le cheminement que je vais vous donner. Je vais vous dire déjà la première étape. La première étape qui est indispensable, c'est le mindset. Vous devez avoir un bon état d'esprit avant même d'arriver sur Internet. Si vous venez sur Internet avec un mauvais état d'esprit, c'est ce qu'on voit beaucoup de personnes, vous ne réussissez pas. Donc, comme on vous a dit que sur Internet, les choses vont être faciles, les choses vont se faire automatiquement. Donc, ça amène les gens à se retrouver dans un mauvais état d'esprit. Les amis, Internet n'est ni plus ni moins que le monde, mais c'est un monde qui est virtuel, c'est tout. Donc, comment vous pouvez penser que dans le monde physique, pour gagner de l'argent, vous savez ce qu'il faut faire?
Mais subitement, quand vous arrivez dans un monde virtuel, vous pensez que l'argent, ou bien on doit réussir comme ça. C'est pas du tout ça. Donc, moi, ce que j'ai fait concrètement, quand j'étais encore salarié, en fait, je passais beaucoup de temps dans des séminaires. C'est pendant ce temps que j'ai connu les plus grands conférenciers de l'époque. Je participais à tous les séminaires qui avaient lieu à Dakar, j'étais présent. À l'époque, j'étais encore étudiant, mais même les séminaires de 70 000, de 100 000, je payais pour partir à ces séminaires-là. Parce qu'il y a un état d'esprit d'abord, parce que je voulais me rassurer d'un certain état d'esprit d'abord. Est-ce que ce que je savais était suffisant? Et ça, c'est important pour que vous également, vous mettez ça dans votre tête. Voilà pourquoi, moi, il y a des personnes que je suis en train d'accompagner. Je les ai dit que prenez les 6 prochains mois. Si vous voulez gagner de l'argent sur Internet, bien sûr, il n'y a pas de souci. Je vais vous donner les méthodes. Je vais vous donner les stratégies. Mais pendant ce temps, ce que moi, je pense être la chose la plus importante, c'est que vous, vous commencez à travailler sur votre état d'esprit. Et pour cela, je les recommande certains livres à lire, des séminaires à aller suivre, des conférences à aller suivre, des formations à acheter. D'abord, parce que ça, c'est l'état d'esprit. Quand l'état d'esprit n'est pas préparé à ça, vraiment, vous allez aller dans tous les sens. Et à un moment donné, beaucoup arrivent, 3 mois, 4 mois, mais comme on les a dit que gagner de l'argent chaque jour, eux pensent que c'est facile et ils perdent. Je me rappelle très bien d'une des personnes qui était dans nos formations, qui était venue pour gagner de l'argent dans les crypto-monnaies. Alors lui, il pensait que voilà, comme on dit les crypto-monnaies, c'est facile, ainsi de suite. Il allait retirer tout son argent, il a injecté ça dans les crypto-monnaies et voilà, il a tout perdu. Et depuis là, il est démotivé, il n'arrive même pas à avancer. Son problème, c'est quoi? C'est qu'il n'avait pas un bon mindset. Donc, la première étape, si vous voulez gagner de l'argent sur Internet, la chose la plus importante, c'est d'avoir d'abord un bon mindset. Et comment avoir un bon mindset? C'est toutes les étapes que je viens de citer. La deuxième étape, concrètement, pour gagner de l'argent sur Internet, c'est de définir un business model. Un business model, c'est tout simplement, c'est ni plus ni moins comment vous comptez gagner de l'argent. Je vous prends un exemple. Par exemple, le business model des boutiques, des magasins, c'est quoi? C'est que j'ai des services, je me place dans un endroit stratégique. Les gens, ils m'emmènent de l'argent, ils veulent mon produit, je leur donne le produit, ils me donnent l'argent. Donc, gagner de l'argent, en fait, c'est pour cela, moi, je dis très souvent aux gens que les boutiques, en fait, sont les business models les plus faciles à mettre en place. Voilà pourquoi même des gens qui n'ont jamais été à l'école, qui savent ni lire ni écrire, mais on les apprend facilement à mettre sur pied ces business models-là. C'est pour cela également, j'ai un grand frère qui est guinéen. Lui, c'est ce qu'il fait. À chaque fois, il dit que s'il veut former des jeunes, il les apprend d'abord à vendre dans des boutiques. Donc, vous voyez, c'est-à-dire que la manière de gagner de l'argent, comment vous comptez gagner de l'argent? Donc, c'est le chemin. Donc, le business model, moi, je le dis également en des termes très simples. C'est le chemin que l'argent va prendre pour arriver chez toi. Donc, c'est ça le business model. Comment toi, tu comptes faire gagner de l'argent et comment tu comptes envoyer le produit ou le service au client. Donc, tu délivres de la valeur de telle manière et tu reçois ton argent. Donc, c'est le comment, en fait. C'est le comment tu gagnes de l'argent, le business model. Donc, quand vous arrivez sur Internet, vous définissez d'abord un business model. Sur Internet, aujourd'hui, il y a plusieurs types de business model. Moi, je vous dis, j'ai fait la plupart des business models qui existent sur Internet. Et ça, ce n'est pas pour me vanter, mais j'ai testé beaucoup de choses. Moi, personnellement, j'ai commencé avec la vente de formation. La vente de formation, le business model, c'est simple. Tu crées du contenu gratuit, tu essaies d'attirer les personnes autour de ce contenu gratuit-là et tu leur donnes un avant-goût. Et après, quand ils goûtent l'avant-goût, après, tu leur montres le programme complet. Et là, les gars, ils se rendent compte que vraiment, c'est intéressant et ils achètent et toi, tu leur donnes la formation. Donc, c'est un business model qui est très simple, c'est la vente de formation. Il y a quand même des mécanismes, mais en un mot, c'est la vente de formation. Il y a d'autres business models, par exemple, l'affiliation. L'affiliation, je l'ai également fait, c'est-à-dire que c'est de recommander des produits. Donc, par exemple, si j'utilise ces micros que je l'ai acheté sur Amazon et je trouve que le micro est bon, je prends le lien affilié que je publie sur mes pages et j'essaye de faire la promotion autour de ce lien-là. Si les gens viennent acheter ces micros à partir de ces liens que j'ai partagés, Amazon me donne. Donc, si le micro là coûte, je vais dire 120 $, le client, celui qui va acheter avec le prix normal de 120 $, mais la société Amazon va me récompenser d'avoir fait la promotion de ces produits-là. Donc, il va me reverser soit 10%, 20%. Donc, ça, c'est également un autre business model qui est l'affiliation. Il y en a d'autres. Hein. Donc, il y a tellement de business models, par exemple, même le marketing de réseau. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne comprennent pas, mais on peut également faire le marketing de réseau sur Internet. Et d'ailleurs, moi, j'ai développé carrément un concept même autour de ça que j'ai appelé la méthode phare que je suis en train de développer. D'ailleurs, bientôt, je vais vous parler de cette méthode-là. C'est comment gagner de l'argent et bâtir un marketing de réseau 100%
sur Internet. Il y a tellement de modèles, donc c'est à vous de trouver un business model qui vous convient. En fonction de vos capacités, vous êtes capable de faire quoi? Par exemple, moi, je suis à l'aise d'organiser des formations, je suis à l'aise de réunir une communauté, je suis à l'aise. Donc, ce dont vous êtes à l'aise, également, il y a un autre business, par exemple, l'investissement également. Oui, l'investissement également. On peut gagner également de l'argent grâce à Internet en investissant. Donc, en fait, c'est tant de business model. Donc, trouvez un business model qui vous convient. Et en fonction de ce qui vous convient, que ce soit vente de formation, affiliation, marketing des réseaux, investissement, crypto-monnaie, voilà, freelance, même les freelance par exemple, même le freelancing, c'est encore un autre modèle de business, ou bien le e-commerce, le dropshipping. Donc tout ça, ce sont des modèles. Donc comment vous comptez vous prendre, donner de la valeur et prendre de l'argent? C'est ça qu'on appelle le business model. Une fois que vous avez défini le business model qui vous convient, la troisième étape maintenant, c'est de faire du marketing. Ça, c'est très important. Aujourd'hui, quel que soit, si vous venez sur Internet, quel que soit, je le dis bien, quel que soit ce que vous venez sur Internet pour vendre, le marketing est important. Le marketing est tellement important aujourd'hui avec Internet. Donc, vous allez comment vous comptez faire votre marketing? Et là, je vais faire d'autres vidéos pour expliquer ça. La vidéo qui va suivre va expliquer un peu comment faire du marketing sur Internet. Le chemin est très simple et les stratégies également sont très simples, mais c'est l'appliquer. C'est l'application qui fait en sorte que beaucoup de personnes ne passent pas à l'action, parce que tous les modèles de business que j'ai dit là, je partage avec des personnes de mon réseau, je partage ces outils avec des personnes dans les différents séminaires que j'anime. Concrètement, j'ouvre mon ordinateur, j'essaie de les montrer. Toute la journée, il y a des séminaires où j'ai animé 8 heures de temps du matin jusqu'au soir, où j'ai montré toutes les étapes de comment je fais. Donc, à un moment donné, c'est les personnes qui ne veulent pas passer à l'action. Parce que si quelqu'un, il t'explique concrètement ce qu'il fait. Il y a des gens, je les montre, vous voyez, là, j'ai fait 1 500 euros. Le mois dernier, sur ici, j'ai fait 1 000 euros. Là, j'ai fait 2 000 euros. Je montre exactement ce que je fais. Mais malgré tout ça, il y a des personnes qui ne passent pas à l'action. La méthode phare, je fais des captures d'écran, je montre aux personnes de mon réseau. Je dis que voilà, le mois dernier, j'ai fait 1 000 euros. Ce mois-ci, j'ai fait 1 200 euros. Et puis, voici comment j'ai fait. Mais là encore, il y a des personnes, c'est le passage à l'action qui bloque, qui bloque, qui bloque, qui bloque les gens. Et d'ailleurs, c'est ça la dernière étape, le passage à l'action. L'étape la plus indispensable de tout ça, c'est le passage à l'action. Si vous décidez par exemple de faire du e-commerce, aujourd'hui c'est possible, hein? C'est-à-dire que vous décidez de vendre le téléphone, ou bien, alors, voyez, ce micro qui est là, je peux décider de vendre ce micro-là de deux manières. Soit par l'affiliation, donc je n'achète pas avant de le revendre, je vais tout simplement recommander, donc moi je ne dépense pas d'argent, ou bien je décide de faire du stock, parce que c'est ça aussi. Parce que tout ce que je suis en train de dire, ce sont des modèles en fait, c'est les modèles qui vous conviennent. Si vous n'avez pas beaucoup d'argent pour déjà faire du stock, voilà pourquoi les débutants, je l'ai dit, de commencer avec l'affiliation, la vente de formation, parce que les investissements sont trop faibles. La vente de formation, mais il y a des revers de la médaille, il y a des inconvénients, mais en matière d'investissement, le capital à investir est trop faible si vous vous lancez dans l'affiliation ou bien vous lancez dans la vente de formation, parce que la vente de formation, vous vendez vos connaissances, vous vendez ce que vous avez déjà en vous, ou bien également le marketing des réseaux. Aujourd'hui, également, avec le marketing des réseaux, il y a certains marketing des réseaux. Alors, le marketing des réseaux, je le dis souvent, mais quand c'est le marketing d'affiliation, vous pouvez faire avec des produits ou bien des services. Mais le marketing des réseaux, moi, je le dis, il faut faire essentiellement avec les produits, pas les services ou bien pas les investissements. Là, non. Moi, j'ai également eu une très, très mauvaise expérience avec les investissements en ligne. Plusieurs, d'ailleurs, même. Donc, je déconseille le marketing des réseaux qu'il faut dire aux gens d'investir. Le marketing des réseaux qui n'est pas basé sur un produit n'est pas un bon marketing des réseaux. Le marketing des réseaux, c'est une bonne chose, c'est un bon modèle, c'est un bon modèle économique, sauf que la manière de le faire maintenant. Donc, moi, je déconseille aux gens d'aller faire un marketing des réseaux où on vous demande d'investir votre argent et d'attendre. Non, ça, vraiment, moi, j'ai dit évitez de faire ça. Évitez complètement de faire ça. Si vous voulez faire du marketing de réseau, faites un marketing de réseau, des produits, des choses qu'on peut toucher et dont quelqu'un donne l'argent et il a son produit. C'est très simple. Donc, l'action est la chose qui sépare les personnes qui réussissent des personnes qui veulent réussir. Donc, les amis, voici des étapes concrètes si vous voulez gagner votre vie sur Internet. Moi, je viens de vous le dire, j'ai commencé à bâtir d'abord un bon mindset. Ensuite, je me suis lancé, j'ai testé plusieurs modèles de business.
Et je me suis mis à l'action en maîtrisant le marketing. Aujourd'hui, moi, le marketing, vraiment le marketing digital, c'est quelque chose que je suis très à l'aise. Aujourd'hui, la plupart de mes équipes sont très fortes en digital, en vente sur Internet. Et ça, c'est quelque chose qui est important. C'est ça qui va vous permettre de passer à l'action. Donc, vous passez à l'action avec le modèle que vous avez choisi et boum, vous allez aller très, très loin. Les amis, voici ce que j'avais à vous partager. Je vais m'arrêter ici pour ne pas que la vidéo soit longue. Si vous voulez que je vous partage d'autres contenus, laissez-moi ça dans les commentaires. Ici, chaque jour, on vous produit une vidéo de très bonne qualité. D'ici là, portez-vous bien, au revoir et à très bientôt. Ciao, ciao.